tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. C'est une vidéo que je filme après quasiment 5 mois d'absence. Je vais déballer tout ce que j'ai à déballer. Je ne pensais pas faire cette vidéo, vraiment pas. Je jugeais inutile de la faire. Mais pour mon bien-être personnel, je préfère la faire. Pour que je sois bien par la suite. Là, j'ai juste installé le Marine Light. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer pourquoi je me suis absenté sur YouTube. Je vais y aller en roue libre. Parce que je n'ai absolument pas préparé de script. Je n'ai rien écrit. Je n'ai rien préparé. Je vais y aller au feeling. Et mes propos vont être très certainement brouillons. Mais j'espère que vous allez comprendre le fond du message et ce que je souhaite véhiculer. Voilà. La première question à laquelle je voudrais y répondre, c'est pourquoi je me suis absenté. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, j'ai eu un énorme souci au niveau du logiciel de montage. Étant donné que, vous savez, j'aime bien faire des montages. J'aime bien quand il y a de l'animation, mettre des zooms rapprochés, des zooms arrière, des effets vidéo un peu drôles, faire quelque chose de propre. Donc du coup, avec mon logiciel de montage qui arrêtait pas de planter, j'ai eu beaucoup moins de motivation pour monter les vidéos. Deuxièmement, je n'allais pas bien moralement. Voilà, moralement ça n'allait pas. Je pleurais. Jusqu'à que certaines personnes de mon entourage me disent « C'est pas parce que tu vas te morfondre et te foutre dans le mal que ça va arranger les choses. » Et j'ai compris par ces paroles que me foutre dans le mal pour les personnes qui n'en valent pas la peine ne servait à rien. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie. J'ai eu plusieurs déceptions amoureuses, voilà, qui m'ont beaucoup détruit. J'ai pas envie de revenir là-dessus, mais voilà. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais plus de motivation. Ce qui a engendré une flemme immense. J'avais un poil dans la main. De vous proposer des tutos make-up à mon niveau. Je suis pas maquilleur professionnel, je vous le rappelle. Mais disons que j'aime beaucoup me maquiller, me familiariser avec les produits, d'acheter des nouveautés ou d'acheter des produits que je ne connaissais pas auparavant et qui me tentaient. Donc voilà, je pense que ça va continuer dans les prochains mois. Je pense que ça va aller et je me sens capable de le faire. J'ai une excellente nouvelle, hein, parce que il n'y a pas que du négatif dans cette vidéo. À partir de mardi, je change de département, je déménage. Voilà, je pars de la Picardie, il était temps, après 21 ans. Je me dis qu'il était temps que je me barre, parce que cette région me sort par les trous de nez. Les gens deviennent de plus en plus et que je ne supporte pas les gens ici. Donc je déménage en Haute-Saône, je me rapproche de mon père. Papa, si tu passes par là, gros bisous. Voilà, je m'en vais de la Picardie. Je suis hyper excité. Donc du coup, là, nous sommes vendredi. Et du coup, je pars dans 4 jours. Il y a également quelque chose qui me stresse, plus ou moins. C'est que je passe mon examen final pour obtenir mon titre professionnel d'employé commercial en magasin. Ça ne se voit pas, mais je suis archi stressé. Je suis en formation depuis quand même le 16 mai. Et je me dis que tout ça est bientôt derrière moi, tout ça est bientôt fini. Ça va me faire bizarre parce que mes collègues les apprécient. Il y a eu des petite prise de bec sans importance, mais voilà, ça j'ai oublié. Et mes collègues vont me manquer, la formatrice que j'apprécie énormément. Merci à toi Aurélia de m'avoir autant appris en une si courte durée. Je te serai infiniment reconnaissant. Et je me dis que de partir de cette région va me motiver à être mieux, de faire un vide. Et je me dis qu'il est temps de partir et pour moi ma vie n'est pas ici. La dernière raison pour laquelle je n'ai plus fait de vidéo, c'est que je n'avais plus la motivation. Je me répète encore, mais je le redis. Je n'avais plus d'idée de vidéo. Je tournais en rond. Je ne savais pas quoi faire. Vraiment, si vous avez des idées de vidéo, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire. Je les noterai sur un carnet, même sur mon téléphone, mais j'ai vraiment besoin de vous pour me donner des idées de vidéo dans la limite du raisonnable si possible, mais j'ai vraiment besoin d'idées de vidéo de votre part. Bien évidemment, je réfléchirai de mon côté sur quelle vidéo je veux faire. Je me sens l'attaque à refaire des vidéos. J'ai notamment une idée de vidéo, mais ça faudrait que je regarde
avec la personne en question si elle est d'accord que je filme, puisque je compte me refaire percer mais l'autre oreille cette fois-ci, donc toujours un hélix mais à l'oreille droite. Donc ensuite, concernant mon vlog vacances, j'ai perdu presque un quart de mes rushs à cause de mon logiciel de montage. Encore une fois, j'ai perdu le début de mon vlog. Donc en gros, j'avais commencé à filmer le 30 juillet et je n'ai plus les rushs. Les rushs commencent le 1er août, je crois. Du coup, bah vous allez perdre 2 jours. Et je sais pas si je la sortais lequel ou si je fais du montage avec mon téléphone, mais sauf que ça n'arrête pas de planter également. J'espère que cette vidéo va vous plaire, même si elle n'a pas été très joyeuse. J'espère que vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir toujours été là. D'ailleurs, j'embrasse tout particulièrement Géraldine de la chaîne Miss Suzette, de m'avoir motivé et de me dire que tout va bien. Et elle m'a dit, ça fait longtemps que t'as pas posté de vidéo. Et la deuxième personne que je souhaite remercier, c'est Jimmy de la chaîne Jimmy TRFB, qui me dit, d'ailleurs, ça fait longtemps que t'as pas posté. Oui, je sais, je me suis fait un peu engueuler. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais revenir en force. Tout va pour le mieux. Merci encore infiniment. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, je ne vous oblige pas. Si vous voulez mettre un like, merci beaucoup. Mettre un petit commentaire avec vos idées de vidéo et votre ressenti par rapport à mon retour. De commenter ce que vous voulez, comment vous vous sentez. Dites-moi tout en commentaire, dans la limite du raisonnable, parce que les commentaires sont filtrés. Les commentaires de merde sont automatiquement supprimés. Ça, c'est une nouveauté sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter. Oui, encore Twitter. Oh, je vais vous proposer du fun, on va bien rigoler, je pense. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous fais des bisous et à bientôt.